Galaxis Production presents. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et aussi bonjour en même temps. Savez pertinemment que c'est un show qui passe tous les soirs à compter de 7h30 du soir sur la chaîne 38 de Canal Bleu. Et aussi la reprise qui se fait le lendemain à compter de 10h du matin, toujours sur la même chaîne, la chaîne 38, Canal Bleu, la télé que vous voulez. Vous aurez aussi à suivre ce show sur la première chaîne de télé Haïti, Planète Haïti, et aussi sur YouTube. Alors on vous remercie pour vos gentils commentaires, et non seulement concernant nos shows qui se trouvent sur YouTube, mais aussi sur nos photos qui sont postées sur Instagram, sur Twitter et Facebook. On vous remercie de vos gentils messages. N'oubliez pas de nous faire parvenir aussi vos critiques, parce que nous pas estimer que nous sommes sciences, nous faisons des erreurs, c'est sûr. Nous disons des choses que nous ne devrions pas dire, nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire, c'est par conséquent. Ou même cap garder au café recul là, faites-nous parvenir vos critiques. Avant de vous présenter notre invité pour aujourd'hui, il nous faut remercier nos sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. On veut parler de Munchies qui nous offre les meilleures pizzas de la ville. Munchies, merci aussi à Silo, magasin électronique qui se trouve en face de Canal Bleu à la rue Villette à Pétionville. Merci aussi à Unique International Store qui nous habille. Merci à Confetti Décor pour ce magnifique décor. We love it. Oh, it's beautiful. Love it. And merci aussi à UNEP, école professionnelle qui se trouve à la Ruelvag, numéro 68, qui vous offre des cours d'informatique, de comptabilité informatisée, comptabilité générale, de ticketing, etc. La nouvelle session, c'est pour le 14 février 2014. UNEP, école professionnelle qui se trouve à la Ruelvag. Ok, nos rubriques, avant de prendre la première pause pour ce show, nos rubriques que vous adorez tant, on le sait pertinemment de par vos commentaires concernant ces dernières. Rubrique Le saviez-vous? Charlie Sheen, vous connaissez cet acteur américain, oui, d'origine mexicaine, je pense, oui. Charlie Sheen a eu des rapports sexuels avec plus de 5000 femmes. J'aurais bien aimé être à sa place. Hein? Ah, mais il l'avait. Non, mais ça. Des rapports sexuels avec plus de 5000 femmes. Ah, ben il faut rester fidèle, comme Evan Jean. Le saviez-vous, encore une fois, selon une étude scientifique américaine, plus un homme attend pour faire un enfant, plus ceux-ci ont de chances de vivre vieux. Plus un homme attend pour faire un enfant, plus ceux-ci ont de chances de vivre vieux. Notre pensée pour aujourd'hui est celle-ci. Ce que la voix peut cacher, le regard le livre. Ce que la voix peut cacher, le regard le livre. On va recevoir, mesdames, messieurs, une jeune femme. Une jeune femme, elle n'est pas encore mariée, elle est encore célibataire. On espère qu'elle le restera toute sa vie. Mais c'est une humanitarian, un monde qui toujours fait un pile bel cadeau, par exemple, toujours bail cadeau. En équipe Timoun, démunie, dans le pays. Et ceci, l'IFEL, like, every Christmas time. We're going to be talking about it. Je ne sais pas si ça l'a fait, mais I saw some pics, and I think c'est vraiment honorable de sa part. And c'est aussi la filleule d'une de nos superstars, la filleule de Richard Cavé, la petite soeur de Richard Cavé. Je vais parler de Tien Yendi Cavé. À tout à l'heure.
ça, c'est quand le vieux de Karimi et le man Haïti, parmi tout le choc que m'a gardé, c'est un grenin qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Ah! Voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. C'est un plaisir d'être ici, vous le savez déjà, tous les soirs. À compter de 7h30 jusqu'à 8h30, le show le plus regardé d'un moment, le divan de Monsieur Jean. Et puis, non seulement sur la chaîne 38, mais aussi sur la chaîne première de Télé Haïti, Planète Haïti. Et nous recevons ce soir cette magnifique personne avec un cœur d'or qui s'appelle Yandy Kavé. Comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Ah, très bien, ça va très bien, ça va très bien, Yandy. Laisse-moi lui dire, parle-nous de Yandy, on sait que tu avais commencé de la musique et puis... Bon, je n'ai jamais vraiment commencé de la musique, mais plutôt que la musique est de mon sang et de ma famille. Tout à fait. Donc, c'est difficile de ne pas être de la musique lorsqu'on est de cette famille. Donc, j'ai appris à jouer le piano quand j'étais petite, la guitare un peu, et puis j'ai toujours chanté. Mais vraiment pour le plaisir de la famille, pour mon plaisir à moi, mais je ne pense jamais avoir eu le rêve ou et l'intention d'aller me faire une carrière en musique comme les autres Kavé. Mais tu as fait partie d'une formation musicale qui n'a pas fait long feu. Je n'ai pas fait partie d'une formation musicale, mais mon frère et moi, Patrice, on avait fait une chanson de Noël et on avait participé à concours Chanter Noël de Télémax, ça fait quand même presque 10 ans maintenant, 9 ans. Et on avait gagné, je pense, le 3e prix. Une superbe expérience, mais mon frère par contre avait fait un groupe musical. Oh, tout à fait. Mais moi non, et mes parents n'ont pas non plus voulu cette idée, donc je pense que ça leur a convenu que je ne sois pas une autre comme les autres. Écoute, non seulement tu faisais de la musique parce que tu as chanté une chanson de Noël avec ton frère Patrice Kavé, mais tu as eu aussi à expérimenter quelque chose avec Richard, n'est-ce pas? Tu l'as pas fait? Expérimenter quelque chose avec Richard. Bon, pas vraiment. Je suis toujours avec Richard, tout ce qu'il fait. Je crois que je suis sa plus grande fan, si je veux dire. Et on est en train de travailler là maintenant sur un album que mon papa va sortir, Guito Kavé, ah bon? Le frère de Sito. Et on est tous sur l'album. Richard, Alan, Patrice, et moi.
moi, mon papa aussi. Tu vas chanter à lui? Donc je suis juste chante. Oh, extraordinaire. Sur le CD. Mais Richard, pas vraiment. À une époque, il voulait bien me produire comme artiste. Mais bon, ce n'était pas dans mes projets vraiment. Il voulait bien, il voulait me faire chanter. Mais j'ai été étudiée. Et quand on va dans la musique, il faut se donner à fond. On peut pas, je ne pense pas qu'on peut faire les deux en même temps. Tout à fait, tout à fait. De la manière dont Richard s'y donne, à 100%, il n'y a pas de temps pour autre chose. Tu étudies quoi maintenant? J'étudie plusieurs choses. Et je fais advertising. Et je fais aussi les relations publiques. Donc, j'aurai fini avec deux diplômes en mai. Et j'ai un minor aussi en communication. Extraordinaire, extraordinaire. Et tu étudies ça en terre étrangère, pas ici, pas en Haïti? Oui, en Floride, à Tampa. Et tu comptes retourner en Haïti, mettre tes expériences, bien tes connaissances au profit bien de la nation? Bien sûr. J'ai été étudiée simplement pour avoir peut-être une éducation que malheureusement on ne peut pas encore trouver ici. Mais c'est tout ce que je fais, c'est pour le bénéfice de mon pays, après tout. Donc, je vais faire ma maîtrise et l'année prochaine, alors cette année, en septembre, en marketing cette marketing, fois, yeah. Et je pense que j'irai à New York, et puis je retourne ici, et puis j'aurai peut-être ma compagnie. Bon, je ne sais pas, j'ai plusieurs projets, mais définitivement, je retourne en Haïti. On a cru voir à un moment donné que vous aviez, ou bien que vous travaillez pour le gouvernement. Surtout dans le domaine touristique, parce qu'on te voyait toujours poster des choses pour le pays, vendre le pays d'une autre manière. Oh. J'ai beaucoup entendu et les gens me disent « Oh, tu travailles avec le ministre du tourisme, etc. » On me demande des informations. Le truc, c'est que oui, je travaille pour le tourisme en Haïti, mais pas avec le gouvernement, forcément. Mm-hmm. Alors, Davidson Toussaint, qui est à Tampa, et moi, alors il a eu cette idée de commencer une organisation, une coopération, qui s'appelle Haïti Tourisme Inc. Okay. Et il a entendu parler de moi d'une manière ou d'une autre, et que je suis peut-être douée quand il s'agit d'interaction, de communication. Donc, il est venu m'en parler et tout de suite, moi, j'ai été intéressée. Une fois que ça a à voir avec mon pays, que ça aide mon pays, quelle que soit de la manière de laquelle je peux aider, j'ai été partante. Et puis de là, on a vraiment, tout ce qu'on fait vraiment, c'est plus du bénévolat qu'autre chose, mais c'est pour aider le tourisme en Haïti, comme on peut. Ça veut dire aider à faire des paquets. Mm-hmm. On a fait un site qui a quand même plus que 50 000 personnes sur Facebook. Wow. On a été visité par 2 millions de personnes sur notre site. Donc, c'est quand même extraordinaire et ça a aidé quand même à pousser la vision et d'Haïti en général aux États-Unis et tous les pays du monde. Et je suis toujours là-dedans. Comme je peux, j'étudie aussi, c'est pas facile. Mais c'est vraiment pour aider Haïti quelque part. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider à ma manière, je le fais. Comment tu sais que ça a fait tache d'huile? Comment tu sais, par exemple, que ça a apporté des fruits? C'est parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui te suivent ou du moins... Alors déjà, le fait que lorsqu'on a commencé avec l'organisation et on a fait des pages sur Facebook, on a fait un site internet, etc. Mm-hmm. Ça a été extraordinaire parce que le ministre du Tourisme nous a contactés pour nous demander qui êtes-vous. Ah bon? Parce que tout le monde lui parlait apparemment du tourisme, pensant que c'est elle, que c'est le gouvernement, que c'est une seule organisation. Et elle a réalisé que c'était nous qui faisions un travail et elle sait très bien qu'elle ne nous sponsorisait pas, qu'elle ne donnait rien de financier. Donc, et tout le monde a été quand même touché par ou a remarqué ce changement dans le tourisme en général avant même qu'on voit le logo du tourisme dans les rues, avant même qu'on sache vraiment qui était le ministre du tourisme. Donc, tout ce mouvement a commencé, je pense, à partir de là. Et même lorsqu'on tape sur Google Haïti Tourisme, c'est nous qu'on voit en premier, pas le site du gouvernement. Donc, ça a quand même, pour moi, ça a quand même aidé beaucoup dans le sens que ça a été vu, on met beaucoup de photos, on met beaucoup de posts sur Twitter, etc. Pour que les gens sachent, tu vois. Donc, je pense que quelque part, ça a aidé et que ça aide toujours. On a fait des projets comme Educate the World about Haiti, où on a été au Japon avec Miss Haiti pour parler du pays, pour parler du tourisme. On essaie d'aller la prochaine fois à UK. Donc, tout ça, quelque part, ça aide, tu vois. Donc, c'est vraiment notre propre volonté, quoi. Ça ne rapporte pas le fruit vraiment. Alors, pas de fruits matériaux, si tu veux. Ça ne rapporte pas d'argent. Mais pour moi, la satisfaction que les gens soient au courant, que les gens voient Haïti d'une autre manière, pour moi, ça me va. Si je comprends bien ce que tu viens de dire, Tiane, tu permets que je t'appelle Tiane parce que, écoute, est-ce que c'est quelque chose que tu faisais sans but lucratif? Sans lucratif. Tu vois? Je suis étudiante. Je sais. J'ai la chance d'être encore sous le toit de mes parents, si tu veux. Leur responsabilité.
Donc, financièrement, je suis très chanceuse en général. Mes parents me donnent tout et encore plus que ce que j'ai besoin. Donc, j'ai plus de temps et à moi-même pour faire d'autres choses. Donc, pourquoi pas? Donc, j'ai investi mon temps dans des choses qui rapporteraient des fruits, qui aideraient mon pays quelque part. OK. Le ministère du Tourisme vous a contacté parce qu'il voyait que vous faisiez un travail extraordinaire pour le tourisme Haïti. Est-ce qu'il a, par exemple, voté un budget pour vous autres? Pas vraiment. Alors, on n'a pas contacté moi, on a contacté Davidson, alors on a contacté l'équipe. L'équipe. Donc, et elle a contacté juste pour savoir vraiment c'est qui, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, et pourquoi on le ferait aussi, mm-hmm. tu vois. Elle nous a pas employés, le gouvernement nous emploie pas, donc il faut bien savoir pourquoi des gens et décident tout simplement de faire la promotion du tourisme. Du bénévolat. Donc, on l'a rencontré plusieurs fois dans des événements culturels, comme un festival mm-hmm. ou bien des événements culturels en Floride. Mm-hmm. Et elle a apprécié beaucoup le travail qu'on faisait, mais on n'a pas vraiment eu de budget. C'est vraiment quelque chose, bon, comme je te dis, on a commencé ça seul. Peut-être bien que dans le futur, on pourrait demander, tu vois, une aide quelque part, montrer c'est quoi notre plan, un plan plus élaboré pour qu'elle sache exactement ce qu'on fait ou qu'on puisse collaborer ensemble. Parce que quand même, avoir tous ces gens qui nous suivent déjà, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Donc, se mettre ensemble, si c'est pour une meilleure Haïti, bon, autant le faire ensemble. Tu tout vois, à fait, donc. Tout à fait. Mais il y a un ralentissement dans ce domaine. On ne vous voit plus poster de tweets ou bien de photos d'Haïti. C'est quoi le problème? C'est vrai. Personnellement, moi, je suis très prise. Comme je te dis, j'étudie deux choses et deux majors. Donc, je gradue l'armée. Donc, c'est le moment où jamais ouais. je travaille beaucoup. Et j'étais très prise parce que je faisais beaucoup de travail de charité. Peut-être que je m'y donne trop de choses en même temps. Ah, ouais, tout à fait. Mais je suis toujours là et c'est vrai que ça a été un petit peu ralenti. Mais pour cette nouvelle année, on a un nouveau projet. Donc on essaie de se réunir pour bien faire une planification concrète pour que lorsqu'on recommence sa promotion, on parle de nos projets, de nos objectifs pour l'année et ce qu'on va faire pour que les gens savent. Peut-être pour trouver des sponsors et pour que les gens s'allient à nous pour leurs différents projets sur Haïti ou bien leur visite en Haïti en général. Donc ça va revenir après, avec un petit temps, ce mois, à la fin du mois. Ça va être bien de trouver des sponsors, c'est sûr. Parce qu'il y a une exposition extraordinaire. Il y aura naturellement une exposition extraordinaire des sponsors par vous-même, par l'équipe. Mais c'est sûr aussi que si vous pouviez, par exemple, avoir Brent Cosette avec la ministre du Tourisme, elle pourrait voter un budget pour vous autres parce que le travail que vous faites est considérable pour le pays. Ouais. Vous n'avez pas ça en tête? On a ça en tête. Donc, de tous les projets qu'on a, on va aussi. Alors, il faut bien qu'on vienne ici pour s'asseoir avec eux. Il faut bien trouver le temps aussi pour qu'elle trouve le temps aussi. Et vous l'aviez déjà rencontré à plusieurs reprises? Oui, on l'a rencontré, mais on l'a surtout rencontré dans des moments, dans des événements. Des événements où on a été invité, où elle a été invitée aussi, par exemple, et on faisait des travaux ensemble, ou bien que. Même si c'était un jour, ça a été invité, ou bien elle est venue visiter. Oh, c'est pas des rendez-vous formels. Exact. Donc, il faut bien travailler sur avant, un rendez-vous formel d'abord, et peut-être à ce moment-là, faire des plans ensemble, ou peut-être elle-même voir ce qu'on a comme objectif, mm-hmm. ce qu'on a comme plan pour l'année, et elle-même peut-être nous dire, bon, écoutez, on peut nous aider, ou nous-mêmes faire une proposition pour qu'on ait une aide du gouvernement ou quelque chose du genre. OK. Si vous vous impliquez beaucoup plus dans cette entreprise, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui va être lésé dans tout ce que vous entreprenez, vos études Je pense que je suis très jeune. Donc, que j'ai beaucoup d'énergie et que c'est le moment ou jamais de faire tout ce dont j'ai envie de faire. Donc, ça ne me fait pas peur du tout, au contraire. Non, mais il y a quelque chose qui va être lésé quand même, parce que vous faites tellement de choses à la fois. Peut-être. Mais pour le moment, je ne réfléchis pas comme ça. Au contraire, je fais de mon possible pour tout faire et tout le faire bien. Si je ne peux pas faire quelque chose, je ne vais pas continuer à le faire. Si je sais que je ne vais pas le faire bien et que je vais m'y donner à 100%, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas mon genre. Mais tout autant que j'y suis, même si je peux passer 3 jours sans dormir pour finir quelque chose, mais parce que je veux le faire et parce que ça me donne plus de plaisir qu'autre chose, je vais continuer à le faire. Pour le moment, ça va. Donc, je ne vais pas dire que je vais laisser tomber quoi que ce soit. Je vais pour ma maîtrise. Donc, j'ai encore 2 ans à être étudiante. Donc, je pense que je continue. Tu étudies aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre. On te voit par exemple parfois en Espagne, passer 6 mois en Espagne, 6 mois en Italie. Et c'est quoi ces études? Je ne comprends pas. J'aime voyager, si je n'avais pas dit ça avant. Oui, mais 6 mois. J'ai passé
Une seule fois, j'ai fait 6 mois en Barcelone et c'était un programme d'échange. Ah, on croyait que c'était à cause de Messi ou de Fabregas. Oui, je suis une fan de Barcelone, mais ce n'était pas bon, la seule raison pour laquelle j'ai été. Je voulais faire un programme d'échange en Europe. Et quand j'ai visité la Barcelone avec mes parents, l'année d'avant, je suis tombée amoureuse de la ville. Extraordinaire. Et j'ai décidé que c'est là que je voulais aller. Que si je ne fais pas un programme d'échange maintenant, je ne ferai jamais, je ne dirai jamais vivre en Europe. Alors, ou alors la probabilité est très minime. Mm-hmm. Donc j'ai voulu aller, j'ai encore une fois j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires. Ah ouais. Qui m'ont poussé à aller et qui m'ont encouragé, ont fait tous les sacrifices pour que j'aille et j'ai eu un moment extraordinaire. Mais je suis en Floride, j'étudie en Floride, même si je suis un peu partout tout le temps, j'ai fait ce que j'ai à faire, c'est l'important. Sinon, bon, mes parents ne m'auraient pas laissé gambader. Si je n'aurais pas la satisfaction nécessaire, je pense que... Et ça me flatter. Tes notes sont bonnes. Oui, je fais le bon note, je fais ce que j'ai à faire, j'ai mes priorités en place. Et puis, bon, une fois que j'ai mes priorités, bon, je m'amuse. Aussi. Tu es fiancé? Non. Ton cœur est déjà pris, papa? Non. Ah, c'est pour cette raison que tu as été passé 6 mois là. Mais écoute, ça fait déjà un an que je suis retournée, hein, quand même. Oui, mais quand même, les 6 mois ont été. Les 6 mois ont été bien. Bon, oui, mais. Voilà. Ok, on voit Tienne un petit peu partout parce que tu es une tête à tout faire et tu as une tête à tout faire aussi. Et on voit aussi une autre entreprise non moins honorable que celle que tu fais pour le ministère de l'Ouest. Tu donnes occasionnellement, et je peux dire je sais pas, chaque fois qu'il y a Christmas, il y a des jouets que tu distribues pour les enfants démunis en Haïti. On pensait que c'était surtout les enfants qui habitent à Kaskor, mais on te voit à Croix-des-Bouquets par moment et aussi en pleine. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Bon, honnêtement, ça a commencé quand ma cousine, Stéphie Castra, a décidé de... Et alors, on a grandi à Fiosi, on a un oncle qui a une maison à Fiosi. Dans notre enfance, très souvent le dimanche, on allait à la campagne pour la journée ou pour les week-ends. Et ça, lui, elle a été inspirée un jour et elle a décidé de faire une fête pour les enfants démunis qui sont à Fiosi. Parce que quand même, on voit à Port-au-Prince pendant cette période de fête que les gens aiment donner beaucoup, ils essaient quand même de donner. Mais on ne pense pas exactement aux enfants de Fiosi. Donc, elle a décidé de le faire. Mais, lorsqu'elle a décidé de le faire, toute la famille a été avec elle à 100%. Donc moi, je suis sa cousine et je l'ai supportée, je la supporte encore à 100% et jusqu'à ce qu'on m'appelle secrétaire générale de la fête. Wow. Parce que je m'y donne à fond, parce que je pense que c'est extraordinaire. Donc, grâce à elle, mais grâce aussi à plusieurs autres personnes, comme notamment Kako, j'ai été inspirée et ça m'a toujours marqué de voir des gens qui donnent de leur temps, de bon, leur argent, leur affection à ceux qui en ont vraiment besoin. Et j'ai toujours voulu faire pareil. Le problème, c'est que je suis encore étudiante et que bon, je n'ai pas de salaire fixe, je n'ai pas les moyens de créer une grande organisation ou un orphelinat ou aider régulièrement des enfants. Mais malgré tout, après la première fête de FIOSI, j'ai voulu aider et je ne voulais pas attendre. On me dit très souvent, ah mais... Tu es encore jeune, écoute, quand tu seras marié, quand tu seras financièrement stable, tu feras ça. Mais moi, je n'ai pas voulu attendre parce que je peux le faire quelque part. Donc, et après la première fête de FIOSI, je me suis donné complètement à chercher d'autres organisations, d'autres gens qui font ce genre de choses, ou d'autres endroits où on ne le fait pas du tout. Pour que ces enfants-là peut-être reçoivent quelque part un petit cadeau, de la nourriture. Donc, ça a commencé il y a quand même 3 ans. Et il y a aussi de la nourriture. Oui, ça a commencé il y a quand même 3 ans. Et à part la fête de filles aussi, que je fais avec ma cousine, et il y a l'orphelinat à Croix-des-Bouquets, que j'ai connu par rapport à Laurie Jabon, qui a Attitude, le magasin. Et c'est l'orphelinat qu'elle aide. Et bon, elle va quand elle peut, elle fait ce qu'elle peut. Donc, j'ai voulu donner un coup de main. Et la même année, il y a 3 ans, j'ai été avec elle. Et j'ai aidé distribuer de la nourriture avec elle, wow. Des linges. Bon, ce que j'avais à l'époque, c'était pas bien planifié. That's nice. J'étais à l'événement de Delma 41. Les enfants du quartier, alors ils vont quand même à l'école, ils ont une petite famille, mais ils n'ont pas vraiment une Noël exactement joyeuse, si tu veux. Ils n'ont pas de cadeau. Donc j'ai voulu aussi donner là. Et puis à Santo, en pleine,
Et à notre orphelinat, j'ai rencontré celle qui dirige l'orphelinat alors, qui a 52 enfants. Et puis, elle m'a parlé de son orphelinat et puis j'ai été les voir. J'ai passé un temps avec eux la première fois seulement. J'ai été jouer avec eux. J'étais heureux. Et puis, j'ai décidé que bon, ça m'a inspiré tout de suite et j'adore les enfants. Grâce à mes frères d'ailleurs, parce que je n'avais pas les enfants avant, jusqu'à ce que mes frères me donnent des nièces et de quelque part, merci à eux. Et puis, dès lors, je me suis dit que bon, en décembre, c'est le moment de la fête, c'est le moment qu'on peut demander quand même des dons à des gens, on peut trouver des sponsors qui peuvent donner des sacs d'école ou la nourriture. Donc, je leur apporte, bon, comme je peux quoi. Par exemple, la dernière fête, c'était le 26 ou le 27 décembre et j'avais quand même tout déjà donné. J'avais quand même acheté des cadeaux pour chacun d'entre eux. Quand il s'agit de nourriture, alors quand même acheter des sandwichs ou de la nourriture pour tout ce nombre de femmes, c'est beaucoup. Ouais, mais quand même, j'ai apporté des chips, j'ai apporté des jus et puis des cadeaux. Mais les cadeaux, je m'assure que tous les enfants ont des cadeaux comme j'aurais fait pour mes enfants. Tout je mets chandail, j'achète un cadeau, j'enveloppe le cadeau, je retire les prix comme j'aurais fait pour ma nièce, mon neveu. Parce que tu sais, surtout les enfants, là, ils n'ont pas de parents. Mm-hmm. Ils n'ont pas. Mm-hmm. Et même, tu sais, ce que je fais une fête de Noël, mais après les fêtes de Noël, je me suis sentie déchirée, j'étais à la plage et je me disais, c'est la fin de l'année, je me disais, d'accord, j'ai fait ça, mais ils ont besoin de tellement plus que ça. Ah ben, que vous avez fait extraordinaire. C'est quand même difficile, mais je sais, je fais de mon mieux et je reçois des dons de plusieurs personnes qui m'aident. Ah, extraordinaire. Mes parents j'allais m'aident vous poser beaucoup, la question. Ouais. Mes parents m'aident beaucoup aussi. La dernière fête, je dis à ma maman, ouais, moi, pauvre. Mais j'ai totalement bas, vous faites pas, vous allez tout s'engager. Je dis, ah, ouais, pas, il faut dire, mais elle a dit, bon, on va passer chips sur vous, quand vous faites pas. Donc, tu sais, mais quand même, les enfants sont tellement heureux que, même si, tu vois, j'ai fait la première semaine en Haïti, je ne dormais pas, envelopper cadeaux, faire sac d'école, monter, descendre, acheter de la nourriture, apporter de la musique pour eux, ou bien faire un artiste venir chanter. Chaque année, on fait un artiste venir chanter. That's nice, that's very nice. C'est beaucoup de travail, mais quand les enfants sont tellement joyeux, quand tu vois leur visage. Oui, mais on a vu ça dans les photos. J'oublie les problèmes que j'ai eu, le découragement. Wow, that's nice, that's beautiful. Je suis vraiment heureuse. Et ça m'apporte plus de joie que peut-être d'aller faire toute la fête de Noël à fêter. Ah oui, j'ai été dans deux ou trois fêtes, mais ça pour moi, ça a eu tellement plus de signification, de valeur à mes yeux. Extraordinaire. Dans chaque c'est site ça. Que vous visitez, combien d'enfants qu'il y a? À Fiosi, on a eu 350 enfants. Wow. Qui ont reçu. Et un sac d'école avec une trousse, plumier, calobre, règle, crayon, aiguisoir, etc. Deux cahiers et un livre. Ils ont reçu un cadeau enveloppé. Ils ont reçu un kit de brosse à dents, pâte, etc. Et ils ont reçu alors une fête, musique et course de sac et dessin, Papa Noël, etc. Ensuite, à Delma, il y a à peu près 45. À quoi des bouquets 50 à 100 55. Ça veut dire que vous avez plus de 500 enfants à qui vous donnez. Moi. Vous êtes obligé de donner à manger. C'est une obligation, ouais. Ça devient une obligation. Bon, c'est pas une obligation, c'est plutôt quelque chose. Bon, tu sais, c'est volontaire. Ouais. Mais une fois que tu commences à le faire, je pense que les enfants s'y attendent et surtout les petits orphelinats, tu vois que là, je passe mon temps. Afin aussi, je suis avec ta famille, toute la famille aide. On joue tous avec eux, mais c'est tellement grand nombre. Alors que l'orphelinat, 50 enfants, ils se rappellent de toi. Je suis retournée, il y a un des orphelinats que je n'ai pas à Santo, que je ne suis pas retournée depuis l'année dernière. Mm-hmm. Parce que pendant l'été, j'essaie de retourner. Même si je n'ai rien à apporter, je vais les voir quand même. En été, avant la rentrée des classes, j'essaie de leur donner des kits d'école, un sac à dos avec cahier, plume, crayon, etc. pour la rentrée des classes. Ouais. Et je viens apporter de la nourriture aussi. Mais ils se rappellent de toi parce que tu as fait quelque chose de tellement extraordinaire dans leur vie. Mm-hmm. Quelque chose de tellement minime. Pour moi, un petit sacrifice, aller à Santo acheter des cadeaux qui prend quelques heures, quelques jours. Mais c'est géant, c'est pas minime. C'est géant. C'est minime par rapport à ce que ça représente pour eux. C'est un effort minime de ma part et puis qui représente tellement pour eux, tu vois. Ouais. Donc, à cet orphelinat précisément, je ne suis pas retournée depuis décembre dernier. Je suis retournée, ils connaissaient tous mon nom, ils se rappelaient tous de moi. Ils m'ont raconté ce qu'on a fait l'année dernière. J'étais tellement émue parce que y a des, je ne me rappelle même pas de leur nom, j'ai tellement d'enfants que je ne me rappelle pas du nom de chaque enfant, il y a deux ou trois. Et puis ils se rappellent de mon nom, ils se rappellent de ce que j'ai ordonné comme cadeau l'année dernière, pour te montrer que ça agit tellement sur l'enfant, et l'enfant se souvient un an de ça, comment ça a été, et je suppose qu'il attend, tu vois, impatiemment l'année d'après, qu'est-ce qu'on va me donner, comment ça va être. Et cette année, je suis arrivée le 26 à être orphelinat, ou le 27, donc j'ai comme l'impression que...
qui s'était un peu découragé de ne pas avoir pas vu. Et j'avais tellement d'autres que bon, je n'avais pas tellement de choix. Okay. Et lorsque je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez eu la Noël, ils m'ont dit oui. Et puis j'ai dit, mais est-ce que vous avez aussi on a fait une fête? Oui, on a fait une petite fête. Alors la fille qui dit que j'en fais une, bon, elle n'est pas une fille non plus qui a beaucoup de moyens. Elle avait un petit gâteau pour eux. Et puis j'ai dit, mais vous n'avez pas reçu de cadeau? Et puis il y a un qui peut monter une voiture de cette gauche. Wow. Et puis il y a peut-être deux ou trois qui ont reçu ça. Et c'est tout. Oh, et puis, j'ai dit, pour ça, mais. Oh, pour diable, tu vois. Et puis j'ai dit, ah, mais vous avez reçu des cadeaux? Et puis j'ai dit, oui, mais on reçoit un petit cadeau, oui, ça. Et puis pour diable, j'étais bien content. Et puis j'ai dit, eh bien, si nous reçoit un cadeau, on va me faire un cadeau. Donnez-moi un cadeau. Et puis, ah, mais écoute, j'ai apporté des gros cadeaux comme ça. J'ai dû avoir mon chauffeur, j'ai apporté la voiture pour plein de boîtes. J'étais tellement content. Moi, ça a fait, pour moi, c'était la Noël. Idéale. Je vous ai dit que Yannick avait été une personne extraordinaire dans le début du show, justement. On va essayer de scruter ce personnage un peu plus après la pause. La deuxième. On revient tout de suite après. Parfait. Sop, sop, c'est Corlovio de Karimi et Le Man Haïti, parmi tout choc que m'a gardé, c'est un grenin qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. Voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour. C'est votre choix le plus regardé qui suit son cours, le divan de Monsieur Jean, qui passe tous les soirs à compter de 7h30 du soir sur la chaîne 38, Canal Bleu, et puis aussi sur la chaîne première de Télé-Haïti, Channel 1, Planète Haïti. Donc, il y a deux télévisions, deux chaînes de télévision que Baza va passer. Ouais, il va passer le signal tout à bientôt. Signal TV. Soon TV. Ok, et nous allons continuer avec cette merveilleuse personne. Je vous l'ai annoncé, que c'est une personne magnifique, qui a une âme extraordinaire. Et Tien, Yen Dikavé, avec ses entreprises extraordinaires. Écoute, tu m'as parlé de ta cousine tout à l'heure qui avait pris l'initiative de faire des dons tous les ans aux enfants démunis. Mm-hmm. Est-ce que elle est c'est une personne qui est qui a un NGO, un ONG, whatever. Du tout. Et elle est étudiante comme moi. elle étudie aux États-Unis et puis il y a 3 ans de ça justement elle a pris l'initiative. Juste parce qu'elle a voulu aider les enfants démunis, quoi. Elle n'est pas sponsorisée. Donc, elle a demandé à sa famille de l'aider. Donc, elle est sponsorisée, mais chaque année, ça change. Donc, par exemple, à Brana, les deux premières années, nous ont fait cadeau des 300 sacs d'école pour les enfants. Cette année, ça a été la Digicel. Donc, on fait comme une lettre et de sponsorisation. On montre les photos, ce qu'on fait, pour qui et ce que les enfants reçoivent. Mm-hmm. Et puis, de là étant, ceux qui veulent nous aider, nous aident. Il y a aussi des dons d'argent. On a un petit site. Donc, on peut faire wepay.com et puis tu fais un don de 20, 10, 40, ce que tu veux. Donc, ce n'est pas une ONG, c'est la famille qui se met ensemble, qui l'aide et puis qui donne une Noël aux enfants qui n'ont pas. Ok, ces enfants-là, ce sont des enfants habituellement qui n'ont pas de parents. Ils ont des AFI aussi, c'est différent. Les autres orphelinats que j'aide, non, ils n'en ont pas. Mais AFI aussi, comment on a eu la liste d'enfants? Parce que quand même, il faut bien qu'on ait une liste et savoir qui sera à la fête parce que ça a commencé avec 200 enfants. L'année prochaine, 250. Là, on est à 350. Donc, il y a une église à Fiosi et il y a un prêtre qui nous donne une liste de noms des enfants. C'est-à-dire des enfants qui sont surtout à l'école. Parce que chaque année, il y a quand même tellement d'enfants qui veulent venir et on ne peut pas recevoir tout le monde bien qu'on aimerait parce qu'on a 350 cadeaux. Donc, si on a 400 enfants, ce ne serait pas juste. Tout à fait. Donc, et le prêtre, on a pris contact avec le prêtre d'abord. Alors, Stéphie a pris contact avec le prêtre. Et puis, il nous a donné une liste des enfants qui sont à l'école, des enfants du quartier. Ils ont des parents, mais des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, la Noël pour eux, bon, ce n'est pas toujours un temps joyeux. Ils ne reçoivent pas vraiment de cadeaux. Donc, c'est grâce à cette fête que là, maintenant, ils ont chaque année une Noël. Et l'autre jour, c'était le mariage de notre cousin. Et ils ont croisé quelques gens de la famille. Ils ont demandé, non, fais fête là, n'est-ce pas? Il faut te dire que c'est quand même extraordinaire pour eux. Ils adorent et vraiment, ils ont une journée superbe. Voilà, c'est titanesque de réaliser quelque chose pareil, c'est titanesque. Mais est-ce que, à part les cadeaux, il n'y a pas d'autres projets pour ce groupe, par exemple, d'envoyer les enfants à l'école? Bon, ces enfants sont à l'école pour la grande majorité. Il y a un projet d'ouvrir une bibliothèque d'abord pour eux, dans un espace à Fiosi. Mais tu sais, tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est du temps aussi. On n'habite pas ici, nous. Donc, on est là quand on peut, on fait ce qu'on peut lorsqu'on vient.
il faut de la sponsorisation, ce genre de choses. Tu vois, il y a, par exemple, les dons qu'on fait et sur Internet, les dons d'argent ou les mm-hmm. chèques qu'on reçoit. Mm-hmm. Ces dons, on essaie de les mettre tous à ce genre de choses, des projets à long terme. Tout à fait. Mais et jusqu'à présent, on n'a pas encore suffisamment de dons. De, bon, financièrement, ça ne va pas encore pour pouvoir construire quelque chose de concret, quelque chose qui resterait, tu vois, à long terme. Mais il y a des projets pour ces enfants-là, qu'il y ait peut-être une bibliothèque, qu'il y ait peut-être un endroit comme une salle de jeu. Il y a des projets, mais on espère qu'avec le temps et qu'avec plus de dons dans le futur, mm-hmm. on pourra faire encore plus pour eux. Tu as parlé de Kako tout à l'heure. Et quelle est sa participation à cette entreprise? Kako n'a pas de participation vraiment à cette entreprise. Mais lorsque j'ai commencé à vouloir aider les autres, c'est grâce à lui. Parce que c'est la première personne que je connais personnellement qui fait ce genre de choses. Ah, okay. Il a un orphelinat, okay. Il aide les enfants, il faisait un camp de basket pour un été. Donc, il a toujours été quelqu'un avec bon, sa femme, les gens qui l'aident, qui aident les démunis, tu vois. Il a pris les enfants qui nettoient les vides dans la rue, il les a tous pris à Pétionville pour leur donner un camp de basket en été, par exemple. Wow. Tu vois, donc il a toujours fait ce genre de choses et ça m'a toujours inspiré. Donc, et à part que ma cousine ait eu l'initiative de commencer la fête à filles aussi, j'ai voulu faire encore plus parce que le problème, c'est que même s'il y a des gens comme Kako qui font quelque chose quelque part à Pétionville ou bien qui ont 100 enfants, 300 enfants, il y a tellement plus d'enfants qui ont besoin d'aide. Ouais, donc, si chaque personne essaie de leur côté de faire un petit quelque chose, ça va faire une grande différence. Tu vois, quand il ne peut pas tout faire même s'il voudrait. Donc, il a été une grande inspiration pour moi. Et l'autre jour, une photo quelconque que j'ai mise, et puis il a eu à me dire combien il est fier de moi. Il dit, mais si tu savais, je ne lui ai jamais dit que tu es l'une de mes plus grandes inspirations parce qu'il a commencé le mouvement pour moi. Vous avez le projet, par exemple, de vous établir à Cité-Soleil ou bien Bel Air? De m'établir? Ouais. Ah, mais c'est une façon de parler. Un jour de Noël, quand même. Mon cher, je pouvais aller partout dans le pays où tu vivais, car le jour était partout. Mais et je sais que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et le plus que je peux, tu vois, cette année, j'ai ajouté un orphelinat. J'espère que l'année prochaine, je pourrai ajouter. Et tu sais, lorsqu'on prend des photos, lorsqu'on fait des vidéos, bon, ça sensibilise les autres, OK? Il y a d'autres gens qui ont vu, il y a plusieurs gens qui ont eu à m'écrire. Je veux participer, comment je peux aider? Donc, l'année prochaine, peut-être qu'on recevra encore plus de dons. Et peut-être que je pourrais prendre l'initiative d'aller voir d'autres personnes dans d'autres zones pour voir comment je peux aider. Même si, tu vois, j'avais eu l'idée, même si aller le 24 décembre et donner des plats, ça change tout, ces gens n'ont rien. Ouais, tu vas donner un bon plat fait. De nourriture à ces gens pour qu'ils mangent, pour qu'ils aient un bon plat pour la Noël, c'est quand même, ça a une signification, tu vois, quelque part, même s'il n'y a pas de cadeau. Donc, j'espère qu'avec le temps, ça pourra grandir, que d'autres personnes pourront aussi être motivées, pourront être inspirées, pour aider dans d'autres coins du pays et que, bon, on aide quelque part. Je comprends que vous fassiez ça, par exemple, de façon formelle, nous checker orphelinat et puis nous bailler cadeau, mais est-ce que, par exemple, ça ne vous viendrait pas à l'idée, par exemple, d'aller dans un quartier défavorisé, le faire? Oui, pourquoi pas, mais il faudrait que... Je n'habite pas ici, comme j'ai dit. Mais on le sait. Donc, et il faudrait que je sache où aller, tu vois. Il faudrait que je sache... Par exemple, dès ma 41, je n'avais aucune idée que, tu vois, il y a des enfants dans le quartier qui sont démunis, qui aimeraient bien avoir une Noël, alors, pas avant 3 ans. Et à ce moment que j'ai commencé. Mais par exemple, j'ai une amie qui était venue m'aider pour Santo l'autre jour en pleine. Et puis, elle a eu des cadeaux en plus parce qu'elle a acheté des cadeaux aux États-Unis parce qu'elle a voulu m'aider. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle doit acheter. Et puis, elle m'a donné son budget. Et puis, elle a acheté des cadeaux. Les cadeaux sont restés bloqués. Et le jour, il y avait la fête. Donc, elle a été acheter d'autres cadeaux en dalle. Donc, quand les cadeaux sont arrivés, bon, il faudrait bien qu'elle les distribue. Donc, elle s'est mise à Pétionville devant l'église Saint-Pierre. Et puis, elle a distribué des cadeaux. Wow. Les enfants ont été heureux. That's donc, nice. Ça a été superbe, ça. Nice. Et pourquoi pas, tu vois, si j'ai des cadeaux extra. Comme je te dis, tout l'argent que je possède va là. Donc, lorsque j'étais en milieu, j'ai dégagé plus d'argent pour pouvoir faire, tu vois. Mais en général, mes parents le font aussi, mon papa surtout. Le 24 décembre, alors le 23, on change une quantité d'argent, un petit billet, bon, 10 gouttes, 25 gouttes, 50 gouttes, pour donner. C'est-à-dire, les petits enfants qui ont la voiture recevront moins, il y a les marchands, etc., etc. Tu vois, donc il y a quand même ça quelque part que j'essaie de faire aussi. Mais je ne peux pas tout faire, même si je voudrais. Mais je fais de mon mieux, vraiment. Et vous ne passez pas aux enfants qui ont déjà leurs parents, et c'est sûr qu'ils auront aussi des cadeaux de ces parents-là. Vous ne passez pas leur mettre dans une ambiance similaire? Bon, comme je t'ai dit, les enfants de Fiusi, la majorité ont des parents, tu vois, mais ils n'ont pas l'occasion d'avoir une fête de Noël, ils n'ont pas l'occasion, je on a une parents, cabane. Je te parle de parents aisés. Hein? Aisés? Non.
Les enfants aisés, c'est moi. Mais quelle idée. Non, 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 non. Les enfants aisés, c'est pas que je n'aimerais pas donner à tout le monde. Les enfants aisés ont tellement de chance. On est tellement chanceux que je pense que, écoutez, on doit en profiter. On peut être content, on peut célébrer en famille. Mais ceux qui n'en ont pas, je pense que c'est ça l'important et ce qui est impératif pour le moment de toute façon. Mais les autres enfants, je pense que c'est plus important. Pour moi, en tout cas. Comment s'appelle cette organisation? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom? Peut-être dans le futur, il faudrait bien que... C'est quelque chose d'informel. C'est quelque chose d'informel. Mais ça, alors chaque année, on sait qu'on fait une fête, on sait qui sera là, on sait qu'on aura tant d'enfants, on va acheter tant de cadeaux, on demande des dons, mais on n'a pas une ONG, on n'a pas une coopération. Non, mais l'informel prend une ampleur extraordinaire. Hein? Ah ouais? Ah, je te jure. J'ai réalisé. Je te jure. Peut-être qu'il faudrait s'asseoir pour peut-être faire une organisation concrète, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Voilà. C'est le moment de prendre la toute dernière pause. On va passer sur le divan. On est obligé de. Notre invité va se coucher, s'allonger sur le divan et on va essayer de lui tirer le verre du nez. Comme on sait si bien le faire. À tout à l'heure. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? A straight from Manhattan to Port-au-Prince. I'm chilling with Le Divan. De Monsieur Jean. Le divin de Monsieur Jean. You know what it is. Pardon pour sa tête. Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope, dope, dope show. Right here, Le Divan de Monsieur Jean on Canal Blue. All I want to say is je t'aime, Haiti. I love you. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au moment fatidique du show, le moment que vous adorez tant. Le moment où l'invité est obligé de s'allonger sur le divan et on va essayer de lui tirer les verres du nez, comme on sait si bien le faire. À présent, oui. Tien, on commence par un P, on est d'accord? Pardon? Si on essaie d'épeler pont, ça commence par un P. Ça va? Et finit par un F. Pourquoi? Pont? T'as dit pont, pas vrai? J'ai dit pont. Pont commence par un P, fini. Quand on épelle pont, ça commence par un P. Pont commence par un P et finit par un F. Pourquoi? Une idée. What do you mean, aucune idée? Il faut répondre. Pour répondre aux questions. Ouais. On commence sur un P, finit par un F. Tu bois quoi? Je bois quoi? Tu bois quoi? Oui. Oui, je bois quoi? Ok, elle boit quoi? On va passer à autre chose. Quand un cheval est-il là. Réellement un cheval? Que tu le galopes. I love that answer, but that's not the right one. Ok. Autre chose. Tu vas me dire la réponse? Non. La réponse, l'autre intervenant va nous la donner. Ah, tu m'as eu pas un pot. Quelle est la plante qu'on n'ose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? Oh my God. Quelle est la plante qu'on n'ose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Rio? Je n'ai aucune idée. Mais c'est la question qu'il faut répondre à la question. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas une grande. Je ne suis pas une experte. Okay, okay. Hein, plante. Qu'est-ce qu'il y a le plus lourd? Un kilo de plomb ou un kilo de plume? Un kilo de plomb. Un kilo de plomb est plus lourd qu'un kilo de plume? Oui. Bizarre, hein? Pourquoi c'est bizarre? Je pensais qu'un kilo de whatever it is reste un kilo. Un kilo tu reste un kilo. Un kilo de plomb, un kilo de peut-être. Plume, c'est toujours un kilo. C'est ça dépend de la matière quand même. Quoi? Ça dépend quand même de la matière. Elle n'a pas pigé. On va passer à autre chose. Banane commence par un B. Mais normalement, ça finit par quelle lettre? Hein? Non. Banane commence par un B, mais normalement, ça commence par quelle lettre? Mais normalement? Je vais reformuler la question. Oui. Banane commence par un B, mais normalement, ça commence par quelle lettre?
La lettre B. La lettre B. Oh, on se moque de moi. Oh, on ne se moque pas de toi. En tout cas, tu es superbe jusqu'à présent. Tu vois quoi? Bon, écoute, hein, j'ai donné ma réponse, mais tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, c'est sûr. Comment dit-on je ne sais pas en créole? Pas qu'on est. Ou pas qu'on est. Comme si tu as le mot, si tu as le mot, si tu pas qu'on est. Ou tu parles français, enfin. Depuis que tu es toute petite, tu parles français. Comment on dit ça? Comment dit-on je ne sais pas? Ça, tu dois le savoir. Comment dit-on je ne sais pas en créole? Pas qu'on est. Je ne peux pas vous dire. Aïe, 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 je n'aime pas ta question. Aïe. Ok, on va passer à autre chose. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie jusqu'à présent? La meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie? Waouh. Waouh. Peut-être réaliser, prendre le temps de réaliser combien je suis chanceuse. Et toute mon enfance, et je n'avais pas, peut-être pas la conscience, mais je n'avais jamais pris le temps de peut-être réfléchir de combien je suis bénie en général. Mmh. Et j'ai une très, très grande foi, mais aussi d'avoir une famille extraordinaire. Mes frères, mes compagnons, mes meilleurs amis, quatre frères qui sont extraordinaires, tous les points de vue, qui me protègent, qui me gardent, qui m'aident. Ce sont les meilleures choses qui t'arrivent dans la vie. La meilleure chose, c'est de savoir combien je suis chanceuse. Extraordinaire. C'est la meilleure chose. Quelle est la plus belle chose qu'on t'ait dite? Je ne me rappelle pas peut-être de la plus belle chose qu'on m'ait dite. Mais mon papa m'a écrit un jour et m'a dit que ses cheveux sont devenus tout blancs, il a le mal à marcher, il s'arrache les oreilles et qu'il rêve de me prendre dans ses bras. I'm the poet. C'est peut-être la plus grande, la plus belle chose qu'on m'a dit. Extraordinaire. Je sais que ton papa, il aime bien écrire. Ah ouais. Chaque matin, il m'envoie un email. Et il écrit de bonnes choses. De belles et bonnes choses. Embrasses-tu ton ménage en public? Oui. Quoi? Oui, j'ai répondu oui. Quoi? Quoi tu ris? Quelle soit de famille ou d'idée, il ne faut jamais la provoquer car chacun peut la chercher. Nul ne sait comment l'arrêter. C'est quoi? Quelle soit de famille ou d'idées. Il ne faut jamais la provoquer car chacun peut la chercher. Nul ne sait comment l'arrêter. C'est quoi? Je ne bois pas. Elle ne boit pas encore une fois. Ok. Il est intime. La dernière. Il est intime. On lui confie nos secrets. Il est interne. Pour les collaborateurs de l'entreprise, on le lit, on l'écoute, on le suit chaque jour. C'est quoi? C'est quelque chose ou quelqu'un? C'est quelque chose. Il est intime. On lui confie nos secrets. Il est interne pour les collaborateurs de l'entreprise. On le lit, on l'écoute, on le suit chaque jour. Téléphone. Et tu bois pas une convoi? Je bois pas. Tu bois pas? Ok, on va lui poser une question facile pour qu'on puisse finir, terminer. Tiens, et play-o. E-A-U? Non. Je voulais pas dire O oh, parce que c'est que tu m'avais dit quelque chose de loin. Je ne voulais pas dire O. Oh. Tiens, je ne parle pas de l'eau qu'on boit. Il y a plusieurs O, je peux interpréter de ma manière. Ok. Et les O.
Oh! Ça peut être que ça arrive. C'est ce que je ne voulais pas qu'il arrive. C'est pour ça que je dis E-A-U, j'ai choisi mon nom. Ok, fine. Bon, ok. Et puis A. Oh! C'est quoi ça? Ah, tu n'es pas patiente? Pas du tout. Et puis, ah. Ah, tout à l'heure. Sop, sop, c'est Carlo Vio de Karimi et Le Man Haïti, parmi tout le show que m'a gardé, c'est un grenin qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. Here you go. You know what it is? Port-au-Prince attack! Ha! Voilà, mesdames, messieurs, c'est le terminus, le finish pour aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir de recevoir cette magnifique personne aux âmes pures, extraordinaire, Tien Yendi Kave, qui était notre invité sur les divans aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Merci, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est la toute première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. C'est la première fois. D'accord. Voilà, le divan de Monsieur Jean. On a pris beaucoup de plaisir à vous le présenter aujourd'hui. On remercie nos caméramans, Yvelt, Jean-Marc, et puis on remercie aussi Evans. À très bientôt. We lead you. Follow. Let's go. Monsieur Jean.